Personne encore parce que je viens juste de commencer à streamer il y a 2 secondes, puis c'est sûr qu'il y a personne dans ce chat. Je vais commencer à jouer. Ce sera pas long. Je vais juste vérifier que tout fonctionne comme il faut. C'est la première fois que je set ça pour que je sois en français. Donc je vais voir si ça marche, que je suis en français. Mon chat va tomber sur mes genoux. Oh! Gros chat. Oh, pourquoi t'es mouillé? Oh! Mon chat était mouillé. Ew! Tu m'as-tu pissé dessus? Gros chat dégueu. Ok. Je pense que ça marche. Je suis en train de streamer. Oui, je suis en direct. Maintenant, est-ce que je suis citée comme étant en français? J'en ai pas l'impression. Je vais essayer de me trouver dans la liste. Et dans la liste, je dois être à quelque part. Je ne suis pas dans la liste du tout, donc ça doit juste pas s'être fait comme il faut. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui me dit en direct, puis autre chose qui me dit que je suis offline. Fait que. Puis ça me dit encore, c'est encore c'était comme quoi je joue à Stardew. Pas vraiment le cas, donc je pense que il y a quelque chose que j'ai pas seté comme il faut. Non, je joue à Diablo 3. Et le titre que je veux, c'est FR slash ENG. Nouveau perso. Oups. Nouveau perso. Venez. Jaser. Je suis en français. Mettre à jour. Ok. On refresh, voir si ça marche. Les infos sont restées comme il faut, mais ça me dit encore que je suis offline. Et j'apparais pas encore dans la liste. Pourquoi? Je stream pour vrai pourtant. Je stream ça là. Hein? Non? Tu t'as décidé que non? Le preview est en direct. Ah! Il y a quelqu'un autre que moi qui regarde. Donc ça doit bien fonctionner. Hein? Mais pourtant, je suis pas encore dans la liste. Je comprends pas ce qui se passe. Ça commence bien. Ça commence super bien. Je comprends pas ce qui se passe. Toi, autre personne qui me regarde en ce moment, comprends-tu ce qui se passe? Est-ce que j'ai précisé que c'est la première fois que j'essaye de setter pour que ça stream en français? Hein? J'ai-tu
J'ai-tu précisé ça? Parce que j'ai commencé à streamer officiellement hier. Et jusqu'à maintenant, j'ai streamé juste en anglais. Mais je veux streamer dans les deux langues. Donc, faut que je trouve comment faire pour le setter pour que ça fonctionne en français. Hein? Logiquement. Là, je suis en train de me dire, peut-être qu'en fait, j'ai pas deux viewers du tout. Parce que. Ah! 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 Je suis là! C'était juste plus lent que je pensais avant que ça. Avant que ça se précise, avant que ça me le marque, que j'étais en direct, que j'étais en français, j'imagine. Bon, là on va arrêter de parler de problèmes techniques, puis on va commencer à jouer. Hein? Donc je vais juste me faire un perso normal. Parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas joué en fait. J'ai joué quand le jeu a sorti. Puis j'ai fait le tour une fois avec ce personnage-là. Puis c'est ça. Puis après ça, j'ai voulu changer le niveau parce qu'au début, tu pouvais pas choisir ton niveau. Mais je pouvais pas. Puis si je voulais changer de niveau, il fallait que je reprenne le même personnage. Puis ça m'avait fait chier. Fait que j'avais changé de personnage, j'avais fait celle-là. Puis j'avais joué pendant un petit bout, mais je trouvais ça plate de refaire le même jeu au même niveau, même avec un autre personnage. Je trouvais pas ça intéressant. Donc je l'ai lâché. J'ai essayé cet autre personnage-là plus tard. Je sais plus quand. Mais je m'en suis tannée aussi. Mais je me souviens plus du tout c'était quoi. Ces deux personnages-là, c'est les persos de mon conjoint, mon fiancé. Mais c'est ça. Donc aujourd'hui, on va se créer un nouveau personnage. Donc je sais que je joue toujours au channel. Maintenant, quelle classe je veux? Toi, autre personne qui est dans le chat avec moi en ce moment, as-tu une classe que t'aimerais voir? J'ai déjà fait le tour du jeu avec Féticheuse, donc je pense pas que je veux rejouer une Féticheuse. Donc, qu'est-ce qui m'intéresse? Le barbare. Curieuse opinion de domine le champ de bataille. Sa fureur qui nourrit ses attaques. Je pense pas que je vais aimer le barbare. J'aimerais le barbare. Le croisé pourrait être intéressant. Peut-être. Le chasseur de démons, je sais que ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être bien le fun en fait. J'ai jamais joué, je pense, avec un personnage qui avait deux façons différentes d'alimenter ses attaques. Je sais pas. Ça pourrait être intéressant. Ok, désolée pour ça. Donc, la moine, je l'avais joué un petit bout. J'avais pas trippé, mais je pense pas que c'était à cause que c'était moine. Je pense que c'était vraiment parce que ça me faisait chier de pas pouvoir changer de niveau. Sinon, il y a la sorcière qui peut être intéressante. Je pense que je vais aller avec un chasseur de démons. Je
chasseur de démons utilise toute une panoplie de pièges, de manœuvres et d'esquives pour échapper aux griffes de ses ennemis. Meurtrière et insatiable, elle inflige de terribles blessures à ses adversaires et se met hors de leur portée avant qu'ils puissent réagir. Ses attaques et compétences tactiques sont alimentées par deux forces, la haine et la discipline. Ouais. Je pense que ça va être soit une chasseuse de démons ou une sorcière. Je pense que je vais y aller avec la chasseuse de démons. Ouais, chasseuse de démons. Donc, mon nom, c'est Rina. Paramètres de partie. Je vais y aller avec le mode campagne. Puis, je vais faire le tour de la campagne. Puis après ça, j'irai jouer avec le mode aventure. Je vais changer de niveau. Je sais, j'ai déjà battu le jeu à difficile. Ben pas celui-là. C'est vrai, celui-là j'ai juste joué à normal parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Mais Diablo 2. J'ai déjà réussi le jeu au complet à difficile. Puis je m'étais rendu pas mal loin dans Expert. Puis la seule raison pourquoi je l'avais pas fini, c'est parce que j'avais lâché pour jouer à autre chose. Je me souviens plus quoi. Mais donc, je sais qu'Expert, je serais capable. Calvaire. Je pense pas que. Peut-être que je pourrais faire le tour à Expert, puis après ça, monter à Calvaire ou à Tourment. Mais. Ouais, je pense que je vais y aller avec Expert. Je vais garder la partie privée pour l'instant. Ou la mettre publique? Non, je vais garder privée pour l'instant. Puis, si à un moment donné je veux jouer avec des joueurs, ben j'irai changer ça. Hein? Je vais regarder ça, je peux pas. C'est Daron. Ah oui, ok, c'est le. Parce que je suis sur le compte de mon conjoint. On n'a jamais joué avec un baron ni une autre. Ah non, lui, il a son perso. Ok. Bon. Ça, je ne laisserai pas avec ça. J'ai le mon héros. Ok. On va commencer la partie. Hein? Excusez. Ok. Ma famille a été massacrée par des créatures infernales. Assister à un tel spectacle suffit à vous démolir l'esprit. La folie a tué ma sœur et m'a laissée seule et terrorisée. Jusqu'à ce que je sois sauvée. Sauvée par des survivants qui s'étaient rassemblés pour débarrasser le monde des démons. Ils ont vu en moi la force de résister à l'enfer. Et ils ont fait de moi une arme.
suis enfin prête. Une météorite est tombée sur Tristram. Et les morts se sont relevés dans son sillage. Je vais tous les renvoyer à leur tombe. J'ai été une proie. Maintenant, c'est moi qui chasse. Ok, on peut commencer. Voyons voir ce que j'ai comme habileté. Il n'y a que la mort pour puer comme ça. L'étoile n'est plus loin. J'ai un arc, un arbalète. Et j'ai une attaque que je peux pas faire tout de suite. Parce que ça me prend quelqu'un à attaquer. Ah, c'est juste... je peux-tu... fermer ça? Non. Donc... ça, c'est plus fort que ça. Ok. Rien de particulièrement intéressant. J'ai voyagé jusqu'ici pour trouver l'étoile et purger ce pays du mal. Elle est tombée sur la vieille cathédrale. Léa et l'a vécu à l'impact. Vous devriez aller la voir. Capitaine Rumford, il y a d'autres morts qui arrivent. Oh, impossible d'ouvrir les portes avant d'avoir repoussé l'attaque. Ça fait... jamais vu personne se battre comme ça. Garde, ouvrez les portes. Vous trouverez Léa à l'auberge du veau égorgé. C'est bien. Non, je vais pouvoir regarder les compétences de la chasseuse de dragons. Chasseuse de dragons? Chasseuse de démons, peut-être? En tout cas. Vous lancez un couteau... Ah, ok. Vous lancez un couteau qui empale vos ennemis. Ok. Parce que j'avais rien avant, donc pourquoi pas. Ok. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, je voulais aller dans les options qui... Je me souviens même plus sont où, ça va bien. Options... Je sais pas comment faire. Pour enlever le détecticiel. Ok. Brûle vite les cadavres avant qu'ils se relèvent. Bon. Zakaoum est tombé en disgrâce. Quelle foi peut-on encore. Ah oui, c'est vrai. Tous les personnages partagent leur coffre. Fait que j'ai plein d'affaires tout de suite en commençant. Ouais, bon, je vais commencer le jeu, puis je verrai après pour aller tricher en prenant les choses de mon chum. Léa, c'est ça? Rumford m'a dit que vous avez survécu à la chute de l'étoile. C'est vrai. Mais mon oncle Descartes Kane a été précipité dans les profondeurs de la cathédrale par l'impact. J'ai essayé de le retrouver. Mais les morts commençaient déjà à se relever. J'ai couru jusqu'ici pour ramener la milice, mais... Attention! Les blessés se transforment! C'est pas bon pour les affaires, ça. Si rien n'est fait, les morts vont tous nous massacrer. Alors je vais les exterminer, et votre ville sera sauvée. Merci.
Vous devriez aller voir Rumford à l'entrée de la ville. Il pourra vous donner des détails. Ok. J'ai hâte... J'ai hâte de débloquer d'autres choses que l'arbalète. Pas que j'aime pas l'arbalète, mais... Je sais qu'il y a des affaires plus intéressantes qui s'en viennent. Comment est-ce que je peux vous aider contre les morts-vivants? J'admire votre courage, mais le capitaine Daldin et toute sa milice ont été massacrés par les créatures. Je suis le seul survivant. Ne vous en faites pas, je vais les venger. C'est vrai, je vous ai vu vous battre. Bon, attaquez-vous aux mères de misère et à leur reine. C'est elle qui vomit ces horreurs. Ils s'en prennent à la barricade! Ah. Ok, j'ai halluciné, je pensais avoir vu quelqu'un parler dans le truc. Et... S'il vous plaît, peu importe qui me regarde, si ça vous semble de jaser, mais gênez-vous. C'est une des mères de misère. Il y en a d'autres qui rôdent dans les vieilles ruines le long de la route. Oups, mauvais bouton. Inventaire, j'ai gagné une tunique. Je m'appelle Descartes Kane. J'ai passé bien des années à arpenter le monde pour étudier les étranges créatures qui l'habitent. Mais le souvenir des mères de misère me hante tout particulièrement. Elles furent jadis les servantes de la reine Scylla, et leurs cadavres ont été pervertis par une abjecte magie. Aujourd'hui, elles se repaissent de carcasses, puis régurgitent des corps comme autant de morts fraîchement ressortis du tombeau. Il me manque de la haine. Je n'oublierai jamais la première fois que j'ai vu ces horreurs se traîner hors des bois embrumés. Nos chers disparus, morts et enterrés depuis bien longtemps, se relevaient de leur tombe. Encore plus de haine. Et se lançaient à l'assaut des vivants. Mais ces cadavres, revenus de la mort, n'étaient qu'un premier signe. Alors, ben là, c'est vraiment pas particulièrement fort. Oh! Et la flèche est venue. Le carreau, j'imagine, c'est une arbalète, c'est un carreau. Ça fait plaisir. Pas remarqué que c'est possible. Nouvelle compétence. C'est good. Compétence. Vous tirez une flèche imprégnée d'énergie ténébreuse qui ralentit jusqu'à 2 ennemis, nécessite arme de jet. Ok. Ben, ok. Je vais prendre ça. C'est déjà mieux. J'ai-tu ramassé quelque chose ou c'était dans ma tête? C'était dans ma tête. Ok. Très cher lecteur, laissez-moi donc me présenter. Abdelhazir, aventurier érudit et chercheur. Au fil de mes édifiants billets, je partage avec vous ma connaissance de ce vaste monde et des incroyables créatures qui l'habitent, bien souvent au prix d'un grave danger. Lors d'un récent séjour au Kanduras, par exemple, ma tante a été mise à sac par une troupe de rats épiques sanguinaires. J'ai pu les repousser à l'aide d'une chaussure, mais un homme moins intrépide que moi aurait connu un sort funeste. Le début, donc c'est censé être facile, mais
déjà en train de me dire que j'essaie de monter une mission. Que la calvaire. Je vais attendre d'avoir passé comme le premier boss. Parce que souvent, les petits monstres comme ça sont faciles, mais c'est quand tu arrives au boss que tu te rends compte que t'es mieux de rester au niveau que t'es là. Hein? Je manque un petit bout. Okay. Donc, je vais voir rendre au premier boss. Pour l'instant, c'est assez simple. Plus. Je sais très bien qu'un bouton peut commencer mais je me souviens plus c'est quoi. Donc faudrait que je me rappelle c'est quoi le bouton. En explorant une grotte dans l'espoir de découvrir quelques trésors cachés, j'ai fait une découverte macabre. Un tas de cadavres pourrissants. Alors que je les fouillais pour récupérer des objets de valeur, ils se sont mis à reprendre vie. Il faut vite avertir les habitants de la nouvelle Tristram avant qu'il ne soit trop tard. Il est trop tard d'où? Il est temps que cette chose meure. Il me faut encore plus de haine. C'est fini. Les mères n'enfanteront plus. Ok, on va voir ce que j'ai débloqué. Showstrap. Vous posez un piège qui ralentit les ennemis. Ok. Puis, dans l'inventaire, j'ai plein de choses. Ok, ça a l'air de quoi ça? Le... Ok. Je pense que juste genre de oui de voir de quoi ça va avoir l'air plus tard dans le jeu. Donc, pour l'instant, il me manque de la haine. Particulièrement sur le jeu des démons. Mais je sais que je viens de commencer le jeu. J'ai besoin de manger. On va pas aller faire ça tout de suite. Commencer par finir la quête. Puis j'irai gosser dans les petits donjons après. La vieille Tristram, l'empreinte de Diablo est encore perceptible. Ouais, je pense que vraiment je vais peut-être
fait monter mes capacités. Maintenant, la discipline, ça n'a pas grand chose. J'ai pas vraiment de compétences qui utilisent la discipline. J'imagine que ça vient plus tard. Hein? Logiquement, il n'y aurait pas une barre de discipline si la discipline ne servait à rien. Je vais faire le tour ici pour être sûr avant. Et non, y'a rien. Je vous interdis de lever le petit doigt pour aider le. Les héros se battent en duel dans une arène pas loin d'ici. Ça vous intéresse? Mais. J'avais promis à Marco de. Merci pour votre aide. Mais est-ce que vous pourriez m'aider à raisonner Léa? Elle s'entête à vouloir aller au secours de son oncle. Ben, tu sais. Il faut qu'elle y aille. Je vais l'aider. On s'habitue vite à la puissance. On s'habitue vite à la puissance. Bon. Ça, c'est mieux que ce que j'ai. Ah, attends. Ça, ben, c'est mieux que rien. Ça, c'est mieux que rien. Ça. Ben, si je mets ça, je peux plus utiliser. Ma compétence de tir à l'arc. J'ai pas choisi de garder mon arbalète. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Non, c'est pas ça que je veux faire. Il est où le marchand là-dedans déjà? J'ai travaillé comme un damné pour vous rapporter tous ces trésors. T'as pas d'arbalète ni rien, toi? C'était juste des épées. Même pas ben. Venez. Allons chercher votre oncle. Il faudra commencer par ouvrir la cathédrale. Les miliciens l'ont verrouillé avant d'être pris en embuscade. Rumford m'a dit qu'ils avaient réussi à se frayer un chemin jusqu'à la cabane d'Adria. La clé est sûrement restée là-bas. Ok. Je vais juste regarder quelque chose vite fait. Juste pour être sûr que tout va bien encore. Parce que... Je veux juste être sûr. Ouais. Tout est encore seté comme il faut. Ah. Ok, on continue. Non, c'est pas ça. Je voulais pas cliquer là-dessus. Arrête. On retourne à l'usine. Attendez, je vais ouvrir le portail. Ok. Je peux-tu retourner me promener? Ou tu vas chialer? Ben, j'irai. Hop-a-l'ay. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ce sera pas long. Sans faire exprès, j'ai minimiser ma fenêtre et là je sens que ça va tout faire fucker. Ok, bon, ben qu'est-ce que je peux faire pour régler ça parce que visiblement ça ne marche pas. Je vais te mettre sur pause déjà. Bon. Non, toi tu bugs, hein? Bon, ben je pense que le mieux ça va être d'arrêter de streamer puis de recommencer. Je reviens dans quelques secondes.